Amène-la, 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 amène-la. Holy God, you are holy. Oh Seigneur. Holy God, sois guéri, sois libéré au nom de Yeshua. Lâche-la, sors au nom de Yeshua. Que la mort te lâche au nom de Yeshua. Sors au nom de Jésus. Sors. Voilà. Sors de ce corps au nom de Yeshua. Voilà. Allez, sors de là. Voilà. Sors, démon. On peut prendre place. Sors, quitte-la. Tu as été envoyé ici pour la détruire. Cette sœur est destinée au ciel. Allez, quitte son ventre là. Sors. Je dis au nom de Yeshua. Sors de là. Voilà. Allez, remonte et sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini ton règne. Jesus Christ. Oh Seigneur. Voyez ce démon, comment il a peur. Dieu t'aime. Dieu a vu ta souffrance, ma soeur. Dieu restaure ton intelligence. Dieu restaure ta vie. Tu as été vendu à cet esprit. Mais c'est ton jour. Au nom de Yeshua. C'est ton jour. Au nom de Yeshua. Oh. Voilà. À genoux, démon. Au nom de Yeshua. Vous pensez que Dieu peut la libérer là? Oh, je le crois. Père, merci. Merci, papa. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Seigneur, merci. Merci, papa. Oh. Que la vie de Dieu remplisse. Ah si. Ça, c'est la mort, voyez? Dieu est là. Et tu sais que Dieu est là. Tu le sais, démon. Je sais que tu as peur de la puissance de Dieu, de la lumière de Dieu, et tu ne peux rien. Mets-toi à genoux là. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. À genoux. C'est un ordre que je te donne là. Si, on y va. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante, et tout le monde est soumis à la parole de Dieu. Tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester. Vous pensez que ce démon va rester là? Oh. Moi, je crois que la parole de Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Cette femme est venue ici. Dieu l'a attirée ici pour que tu quittes son corps. Ah si, si, tu ne peux rien me faire et tu le sais. Voilà, là, on est fixé là. Maintenant, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu, enlevez les chewing-gums. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, si vous pouvez enlever les chewing-gums, évitez ça, s'il vous plaît, restons en prière. Dieu veut libérer son peuple. Je ne la connais pas, cette sœur, mais je sais qu'elle cherche Dieu. Je sais qu'elle cherche. Je sais qu'elle ne sera plus l'esclave de ce démon. Au nom de... Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Celui qui a remporté la bataille. Il se passe des choses, hein? Ah oui. La confrontation des puissances. Il n'y a pas que elle que Dieu veut libérer. Il y en a d'autres. Amen. Je vous dis. Gloire à Dieu. C'est ton jour, c'est ta délivrance, ma sœur, car le Seigneur t'appelle, car le Seigneur t'aime, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Assis. Assis. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse, non. Non. Tu vois bien que tu ne peux pas sortir d'ici avec son corps. Parce que les anges sont là. Amen. Toutes les blessures que tu as infligées à cette femme, les souffrances pour la détruire, toutes ces blessures, Dieu... Toutes ces blessures, Dieu, mais elle est là et tu es obligé de lâcher sa vie et tout ce que tu as volé à cette sœur au nom de Yeshua. Non, elle ne se mariera pas, elle ne se mariera pas. Elle va se marier au nom de...
Voilà. Maintenant, ma sœur, tu vas libérer le pardon dans ton cœur contre les gens qui t'ont blessé. Tu vas confesser tes péchés. Et cet esprit va sortir maintenant, au nom de Yeshua. Voilà. Maintenant. Finis la comédie. Au nom de Yeshua. Donne-moi ta main. Voilà. À genoux. À genoux. Au nom de Yeshua. C'est ton jour. Tu vas te marier, avoir beaucoup d'enfants et servir Dieu. Dieu a vu ta souffrance. Il t'a attiré ici pour te restaurer. Il te guérit, il te libère et il te remplit de son esprit. Il est ton Père. Maintenant, sanctifie-toi encore car sa gloire va te précéder au nom de Yeshua. Ô Dieu d'Israël, comment ne pas craindre ce Dieu? Il est trop fort. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Viens ici. Viens ici, démon. Viens ici. Je dis, viens avec ce corps ici. Laissez ce corps là-bas venir ici. Ici, démon. Acclamez Dieu. Oh. Oh Dieu d'Israël, voyez cet esprit-là, viens ici, c'est un ordre que je t'ai donné, viens ici, voilà, à genoux, démon, au nom de Yeshua. La puissance de Dieu est réelle, Dieu est vrai. Ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Voyez, on ne force pas les démons eux-mêmes. Vous savez pourquoi ils sortent comme ça? Parce que le Seigneur a dit aux anges guerriers, allez à Bordeaux. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voyez, voyez. Ça sort. Naturellement, ça sort. Les esprits de dépression, ça sort. Les esprits de nuit, de mari de nuit, ça sort. Les esprits de colère, de haine, ça sort. Voyez, vous voyez, vous voyez. Regardez vous-même, comment la gloire de Dieu, regardez, acclamez Dieu, oh Jésus de Nazareth, ici démon, ici, ici au nom de Jésus, viens ici, je dis viens ici, oh, voyez ça, voyez ça, voyez ça, ça c'est la gloire de Dieu. C'est la nuée de Dieu qui vient comme ça. Jesus Christ. Jesus. 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 Regardez-moi la gloire de Dieu. C'est Dieu qui vient et il détache. Il détache. Viens ici, au nom de Jésus. Voilà. Amène-moi ce corps ici, je dis au nom de Jésus de Nazareth. C'est un ordre. C'est un ordre. Si. Je dis ici, ici, toi, esprit des eaux, qui travaille, n'est-ce pas, avec beaucoup de frères et sœurs malgaches, je veux que tu viennes ici. Tu vas quitter cette femme. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Voyez cet esprit-là? C'est un démon guerrier. Là, vous voyez là. Un démon guerrier. Voilà. Vous voyez ça? C'est un démon guerrier qui détruit tout. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend. Vous voyez? La puissance de Dieu.
Jesus Christ. Oh, Jesus. Jesus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a des choses qui remontent là. Je vous dis, il y a des choses qui remontent. Les démons qui sont ici. Les démons qui sont ici, là, commencent à avoir peur. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu vas vomir cette chose qui détruit ta famille, qui détruit ta vie. Cette chose qui est en toi, qui t'empêche de prier, de prier. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lève-toi, au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, au nom de Yeshua. Voilà, viens ici. À genoux. Tu vas lâcher ma soeur. À genoux, au nom de Yeshua. Tu vas lâcher ma soeur. Voilà, fini ton règne. Oh, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Sors. Voilà, lâche-la, 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 lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Je dis, remonte, sors, 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 sors. Assez. Oh. Il y a un esprit ici, un esprit ici, un esprit des eaux qui est rentré dans un corps ici, là, qui est rentré dans un corps. Cet esprit pollue tes pensées, cet esprit vient te polluer la vie là. J'ordonne à cet esprit de remonter d'où il est là, de remonter, tu vas sortir de cette femme. Tu vas quitter sa vie et ne plus y revenir. Je veux que tu sortes de là. Je veux que tu remontes et que tu partes au nom de Yeshua, la puissance de Dieu. Oh, la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance de la résurrection. Jesus Christ. Sors, au nom de Yeshua. Sors. Oh, alléluia. Quelqu'un ici est téléguidé. Téléguidé de loin par la sorcellerie de sa famille. On téléguide ta vie. On manipule ta volonté. Là où tu es là, tu vois. La puissance de Dieu vient te sortir de ce trou. On t'a mis dans un trou. Dieu vient te sortir de là. Il te sort de là. Tu vas lâcher ma soeur là. Tu vas t'en aller toi aussi, démon qui est là. Tu vas lâcher. Oh, acclamez Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Allez, sors. Allez, sors, démon. Allez, sors, démon. Voilà. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors de là. Sors de là. Ça, c'est un esprit en forme de lézard. Sors de là. Jesus Christ. Allez, tu viens ici. Tu viens ici, démon. Allez, tu viens ici. Ici. Tu viens ici. Viens ici avec ce corps-là. Ici. C'est un ordre. Ici. Vous avez vu ça? Regardez-moi ça. Là. Si tu n'as pas Dieu, cet esprit te tue. Ici, démon. Acclamez le Seigneur pour sa puissance, mes amis. Là. Oh, Dieu est magnifique. La puissance de la résurrection. Oh, acclame Dieu, c'est fini, c'est parti. Là. C'est magnifique, c'est magnifique. Jésus est magnifique. Waouh. Le réveil. Quand Dieu descend quelque part là, c'est le royaume qui arrive, mes amis. C'est le royaume qui arrive et les démons, ils cherchent des solutions, ils cherchent des portes ouvertes pour s'en aller. Vous savez quoi? Il y a un démon ici là. Il y a un démon très caché. Il sort sa tête, il la rentre. Il sort sa tête, il la rentre. Il sort sa tête, il la rentre. Il sort la tête, il a peur. Un démon de peur, le démon de peur qui produit la peur dans ta vie. La peur te paralyse. La peur te tétanise. Le Seigneur, alléluia. Oh, Dieu aime cette personne-là. Dieu aime cette personne. Le Seigneur vient te libérer. Oh, alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Là-bas, là, Dieu de gloire. Là, on acclame le Seigneur. Là-bas, là. Amène-la-moi, là. Ici, là. Oh, c'est beau. C'est beau. Amène-la-moi, là. Elle aussi, là. Amène-la-moi, là.
Oh. Tu vas lâcher ce corps. Tu vas quitter ce corps et ne plus y revenir au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Oh, il y a une onction là, de guérison, de délivrance. Alléluia. Juste le piano là. Vous allez quitter ce corps maintenant au nom de Yeshua. Vous allez sortir de ce corps au nom de Yeshua. Sortir de ce corps là. Fini. Allez, tu sors, démon, sors de là. Regardez-moi ce démon. Vous voyez, ça c'est Shiva. Vous avez vu Shiva? Regardez Shiva. Voilà. Vous avez vu? Là, le démon fait des incantations pour demander de l'aide à d'autres démons. Vous avez vu? Le démon demande de l'aide là-bas. Vous avez vu? Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Jesus Christ. Acclamez Dieu, la puissance de Dieu. Vous avez vu ça? On le sépare spirituellement. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous avez vu? Mais le démon, il ne peut plus rien faire parce qu'il est entouré par la puissance comme un mur de feu. Et cette femme sera libérée de la puissance de l'hindouisme, de ce démon de Shiva. Vous avez vu les incantations comme les sorciers. Aha, on vous montre les choses. Le diable touche tout le monde. Ceux qui ouvrent les portes là, il les touche. Mais Dieu va la libérer là. Au nom de Yeshua. À genoux, démon. Maintenant. Je dis maintenant au nom de Yeshua. Fini, tu vas lâcher ma soeur. Tu vas lâcher son corps. Tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et tu vas quitter sa vie maintenant au nom de Yeshua. Allez, tu sors de là. 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 Tu sors de là. Au nom de. Oh, Jesus Christ. You are holy. Aidez-la, aidez-la. C'est bon, c'est réglé. Jesus. Dieu t'aime et te restaure au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Genoux. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tout genou fléchis devant le Seigneur. Et tu vas être une grande adoratrice du Seigneur et servir le Seigneur. Regarde comment ils l'ont enchaîné. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Les gens souffrent. Elle est téléguidée. Elle a touché à des choses. Mais ne vous inquiétez pas. Qui est choqué? Oh. Amenez-la moi là. Amenez-la moi. Qui n'a jamais vu ça? Comment? C'est la première fois. Depuis Lausanne. Tu es choqué? Ça, ben, que Dieu soit béni. Dieu libère son peuple, n'est-ce pas? Le diable voisin, Jésus est là. Jésus est là. Qui veut que le Seigneur guérisse son peuple? Elle, c'est son jour. Elle est baptisée? Non, pas encore. Elle est musulmane. C'est ce que Dieu me montrait. La puissance de l'islam est renversée dans son corps. La puissance de la sorcellerie familiale est renversée dans ton corps. Au nom de Yeshua. Jesus. Aha.
Il y a beaucoup de musulmans qui se tournent vers le Seigneur. Ils découvrent la puissance de Dieu. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupe d'elle. Hein? Au nom de Yeshua. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. On va la laisser, laissez-la. Laissez-la, Dieu s'en occupe. Dis à ton voisin, Dieu s'en occupe. Voilà, vous inquiétez pas, Dieu est là. Qui croit que Dieu est là? Voilà. Vous avez vu? Le démon faisait des incantations, demandait de l'aide là-bas. Dieu a coupé cela, brisé cette connexion-là. Fini. Tout ce que ce démon peut faire, le Seigneur est dans... En fait, elle, c'est aussi des blessures de l'âme que Dieu travaille en profondeur. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime. Ma soeur, fille d'Abraham, donne-moi ta main. Au nom de Yeshua, donne-moi ta main. Oh oui, tu le peux. La sorcellerie ne peut plus rien contre toi. Les enchantements ne peuvent plus rien contre toi. Rien. Le sang de Christ, le Messie, Yeshua, le Messie a coulé. Au nom de Yeshua. C'est fini. Mets-toi à genoux. Devant le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je te bénis comme ton frère en Christ, au nom de Yeshua. C'est bon. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le réveil arrive dans ta famille. Ouais, des conversions en cascade. Le Seigneur voit ta détermination, le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur te dit qu'il te connaît, qu'il t'aime. Il t'a toujours protégé, il t'a toujours gardé depuis ton enfance. Le Seigneur a toujours mis sa main protectrice sur ta vie. Le Seigneur te dit, je t'aime ma fille, je veux me révéler puissamment à toi et je te montrerai, je te dirai ce que j'attends de toi. Je te dirai pourquoi tu es sur terre. Le Seigneur va se révéler à toi, il va te montrer sa pensée, la pensée qu'il a pour toi. Et il te dit, tu vas avoir une couronne, ma couronne, la couronne de justice. Il va te justifier vis-à-vis de tes ennemis, il va te justifier, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Il va répondre à toutes ces questions que tu te poses. Toutes ces questions sans réponse, ça veut dire je te vois quand tu te couches, je te vois quand tu te lèves, tout ça là. Et le Seigneur, je vois un fleuve d'eau qui arrive dans ta famille, dans tout ça là. Et je vois le Seigneur en train de réparer les cœurs, de guérir, de soigner en profondeur. Alléluia, de briser des liens, de la maladie, tout ça là. Oh, alléluia. Le Seigneur te dit, prépare-toi là. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Oh, Jésus est magnifique. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Jésus, bien-aimé, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a un esprit, il y a un démon qui loge, voyez, au niveau du bas-ventre d'une personne. Il est là, logé là. Ce que tu as, ce que tu vis n'est pas normal. Tu as ouvert des portes à l'ennemi. Cet esprit est venu se loger là. Pendant que l'on chantait, le Seigneur me montrait cet esprit qui bougeait. Tout ça, qui est là. Qui veut provoquer cette maladie, qui veut provoquer ce cancer. Le Seigneur ne veut pas de cela. Cet esprit qui produit la mort dans ton corps, qui produit toutes ces souffrances, toutes ces douleurs atroces. Le Seigneur te sort de cette condition
d'esclave et t'amène à la liberté. Tu vas expérimenter la liberté, la joie de Dieu, la puissance de la résurrection. Au nom de Yeshua, car Dieu t'a choisi, car Dieu t'a appelé, ma sœur, là où tu es assise. Voici la puissance de Dieu qui vient sur toi, car tu as beaucoup pleuré pour cette situation. La puissance de Dieu vient, je commande à ce démon de sortir maintenant. Tu vomis cette chose. Je dis, sors de là au nom de... Au nom de... Acclame Dieu. Amène-la moi. Oh Jésus de Nazareth. Dieu est magnifique. Regardez la puissance de Dieu. Waouh. Waouh. Vous voyez ce démon-là? Il a été envoyé par quelqu'un qui connaît cette femme. Et ce démon est censé provoquer le cancer de l'utérus. Provoquer le cancer de l'utérus. Jesus Christ. Là. Là, il sort. Il sort là. Voyez? Sors. Au nom de Yeshua. Sors! Voilà. Et ne reviens plus jamais dans ce corps. Ça sort par la toux. Ça sort. Waouh, c'est magnifique. Hein? C'est beau hein, quand Dieu libère son peuple. Hein? Ça sort, là, ça va. Continue à sortir. Elle n'aura plus ses douleurs, elle ne verra plus ses problèmes, elle ne verra plus ses... Oh, alléluia. Vous savez quoi? Il y a un ange qui est en train de nettoyer avec un produit là. Ah. Wow. Et quand les gens vont voir leur médecin comme ça, les médecins disent, mais on ne comprend plus rien là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a plus rien là. Mais les deux trompes qu'on avait enlevées, mais elles sont sur place, elles sont là de nouveau. Mais comment ça se fait? Oh Jesus. Magnifique. Il y a un esprit ici. Le Seigneur m'a montré. Il est attaché au cœur de quelqu'un. Il est accroché comme ça là. Un cœur, il est accroché comme ça et il donne de temps à autre de coups et ça provoque des palpitations comme pas possible. Oh, ça provoque des palpitations chez toi. Ça provoque des palpitations. Il veut provoquer une crise cardiaque. Ce ne sera pas une crise normale, mais le Seigneur ne veut pas de cela. Ça sort là, on acclame le Seigneur là-bas, là, on acclame le Seigneur là aussi, là. Ça sort. Ainsi, tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Vous voyez ça? Français, elle parle français normalement. Là, vous voyez ça? Tu vas lâcher ce cœur là. Si, tu vas sortir de ce corps. Tu vas lâcher son cœur. Acclamez le Seigneur, amène-la-moi là. Oh mon Dieu. Là aussi là, amène-la-moi aussi là-bas là. Mon Dieu. Qui réalise que Dieu existe? Regardez-moi ce démon là. Vous voyez comment il parle là? Une langue démoniaque. Vous voyez ça? Oh, tu vas lâcher ma soeur. C'est ma soeur. Je sainte Mike. Les deux étaient destinés à mourir d'une crise cardiaque. En fait, ces démons-là qui sont là, et ça donne des coups. Regardez-moi ça là, comment les gens souffrent. Et là, Dieu répare leur cœur. Je vois des anges avec des outils. Et ils réparent. Oh! Il y a une troisième personne cardiaque là. Le Seigneur répare. Dis à ton voisin. Aujourd'hui, le Seigneur est cardiologue. Jesus. Au nom de... Au nom de... Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu vas lâcher ce corps.
dit quoi? Le démon dit qu'elle est, elle lui appartient depuis longtemps. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois ce que la Bible dit. Jeune homme, vous voyez les jeunes, vous voyez que Dieu existe. Hein? Vous voyez vous-même de vos propres yeux que ça là, c'est pas du cinoche, les gars. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Moi, je louerai. Alléluia. Je l'aime. Je l'aime, Jésus. Vous voyez comment ça vomit là? Voyez vous-même, hein? Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le Mont Carmel. Vous inquiétez pas pour la sœur, elle est en train d'être libérée là. C'est notre sœur. Notre Père est descendu sur terre. Il a versé son sang pour sauver ma sœur. C'est ma sœur. Elle et moi, nous avons le même Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Le sang de Jésus a coulé. Tu ne peux rien contre elle. Tu ne peux rien contre elle. Tu ne peux rien contre elle. Au nom de Yeshua, tu ne peux plus la tuer comme c'était prévu. Fini. Aujourd'hui, Dieu qui m'a dit, va et libère mon peuple. Cette femme fait partie du peuple du Dieu d'Abraham. Et aujourd'hui, ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini définitivement au nom de Yeshua. Lâche ce cœur là. C'est fini. 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 Là aussi, là, ça sort. Dieu guérit. Voyez vous-même. Un autre. Ça, c'est un démon de nuit. Là. Un démon de nuit. Ma soeur, Dieu te libère. Il te libère. Le démon ne peut plus utiliser tes membres. C'est bon. Je les paralyse au nom de Yeshua. Maintenant, c'est fini. À genoux. Au nom de Yeshua. Oh. Amène-la moi, elle. Dieu s'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas. Il se passe des choses là. Regarde. Sois loué. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Elle va revenir ici. Alléluia. Tu es glorifié, Jésus, à jamais. À genoux. Tu es glorifié, Jésus, à jamais. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Oh, c'est un chewing-gum que tu as? Alléluia. Jeune homme, c'est un chewing-gum que tu as? Ouais, tu peux mettre de côté s'il te plaît. Waouh. Regardez. Quelqu'un au niveau de la taille. Sylvain, amène-moi cette femme là, il faut la ramener. Au niveau de la taille. Au niveau de la taille, c'est un serpent qui est là. Au niveau de la taille. Au niveau de ta taille, il y a un serpent qui est là, qui loge là. Oh Jesus. Fini. Sors. Oh Jésus. Voilà. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, tu vois pourquoi on est combattu? Ces démons-là, quand ils sortent, ben ils sont en colère. Ils vont posséder des gens pour dire ben, il faut l'attaquer. Parce que ça là. Ils ne veulent pas partir, ils veulent garder ce corps-là. Mais comme Dieu est tout puissant, ils sont obligés de sortir. Ma sœur a beaucoup souffert, mais mon papa décide de la libérer aujourd'hui. Oui, notre Père t'aime. Tu as été beaucoup blessé. Beaucoup blessé. Dieu me dit de te dire qu'il te guérit. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh oui. Oh oui. I just wanna be where you are.
Vous êtes là? Je vous sens triste. Fini. 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 Voilà. Fini. Fini. Il se passe des choses là. Fini. Fini. Il se passe des choses, je vous dis. Au nom de... Fini. Au nom de... Qui est Seigneur? Qui est Dieu? Jésus. Qui est roi? Jésus. Qui est notre sauveur? Jésus. Qui peut la délivrer? Jésus. Qui peut la guérir? Jésus. Qui peut te délivrer, ma soeur? Jesus Christ. Alléluia. Oh, Jesus. L'onction apostolique de Yeshua, l'onction du Père qui la soigne. Voilà. Voilà. Elle sort de loin. Elle sort de loin. Voilà. Elle avait un paquet là. Donc. Voilà. Ça court là, ça sort, ça fuit. Le feu. Voilà la vie qui vient dans ton corps. Jesus Christ. Tu ne mourras plus par la grippe, par une crise cardiaque. Tu vas servir Dieu, ma soeur. Amen. Qui est Dieu? Jésus. Qui est Seigneur? Dieu. À genoux. Oh! I just wanna be. Hallelujah! Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de combattants, l'armée des guerriers. Jésus est notre Seigneur. Jésus. Alléluia. Non, ça c'est magnifique. Vous savez, Dieu donne, à chaque fois, il donne la solution. À chaque problème, il y a une manière de procéder. Et tu te laisses guider. Et il... Oh, yo. Là, le cœur que m'a montré là, un cœur tout neuf. Elle, là. Vous voyez? Quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de proche. Quelqu'un de sa famille. Qui est là? Non! Vous voyez? Mon Dieu! Non! Ah, ah. Quelqu'un de sa famille l'a marié la nuit. Ah! Si. 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 Jesus. Ça, c'est notre papa qui restaure comme ça. Vous savez, le Seigneur a plusieurs fonctions. Là, il va mettre sa robe de docteur, de médecin, avec son stéthoscope spirituel, bistouri, tout ça là. Hein? Et il opère. Il soigne. On a volé tout ce qu'elle pouvait faire. Mariage, tout ça. On a volé. Mais le Seigneur est en train de tout restaurer aujourd'hui. Donc. Jesus. Oh. Vous voyez, elle ne me voit pas. Mais le démon qui en elle voit. Et là, du coup, naturellement, le démon se met à genoux. C'est ça qui est terrible, glorieux. La personne ne te voit pas, mais le démon voit. Et lui-même, le démon, il se met à genoux parce qu'il reconnaît la seigneurie
de Yeshua, mes amis. Yeshua, notre Seigneur. Oh, Jesus. Oh. Vous savez quoi? Sylvain, tu sais quoi? Il y a un esprit qui est là. Je viens de le voir là. Dieu m'a montré ça. Il est venu ici avec, comment on appelle ça déjà là? Le corbillard là, c'est ça? Un corbillard, voilà. Il est venu avec un corbillard qui est là devant. Il a laissé son corbillard dehors. Avec un cercueil. Il poursuit quelqu'un ici. Acclamez Dieu. Viens ici. Viens ici. Viens ici. À genoux. Tu ne peux rien me faire, ne vous inquiétez pas. Il y a des... Tu m'énerves. C'est quoi ça? C'est quoi? Jésus. 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 On y va. Jésus. 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 Je t'énerve, tu ne peux pas m'approcher. Vous savez pourquoi? Tous les enfants de Dieu ont une muraille de protection. Ah oui, Jojo. Hein? Il y a un autre démon là-bas. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Amenez, amenez la personne. Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, c'est le Mont Carmel. Mais qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Alléluia. Jesus. Qui réalise que Dieu existe? J'aime mon Dieu. J'aime papa. Jesus, you are holy, holy. Tu viens ici, tu laisses ton corbillard dehors et tu penses que tu vas prendre ma soeur pour partir avec, la tuer avec la sorcellerie africaine, la sorcellerie des îles, la sorcellerie camerounaise, la sorcellerie, n'est-ce pas, tu t'es trompé d'adresse.
Elle servira mon Dieu. Elle ne mourra pas. Comme vous l'avez prévu. Elle va vivre longtemps. Elle va annoncer la parole de Dieu. Elle va s'occuper des veuves. Elle va s'occuper des orphelins. Au nom de Yeshua. Voyez là-bas, au fond là-bas où elle était, son démon a dit, je préfère m'en aller. Là, c'est un gros boa qu'il y a ici. Voyez, regardez, c'est un gros boa. Voilà. Oh, Jesus. Avec tes histoires de Dieu, de quoi pour m'embrouiller. Elle doit mourir. C'est toi qui l'as dit. Mais mon papa a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Dieu. Cet esprit qui parle là, il y a à la fois l'esprit de mort et quelqu'un de sa famille qui pratique la haute sorcellerie. Il est l'alpha et l'oméga. Tu connais ce chant là que j'avais reçu? Non? Ah. Maintenant, notre Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Son mari là va mourir. Personne ne mourra. Mourir. Personne ne mourra. Ses enfants vont mourir. Personne ne mourra au nom de Jésus. Sa mère va mourir. Personne ne mourra au nom de Jésus. Regardez. Comment un enfant peut être comme ça? Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas. Mais ton règne est fini. Au nom de. Au nom de Jésus. Oh. J'ai fouillé son intelligence. J'ai fouillé pour qu'elle n'aille pas à l'école. Mais non, elle cherche l'école. Elle veut apprendre. Apprendre quoi? C'est quelqu'un qui pratique la haute sorcellerie dans la famille. Regardez, Dieu vient de me dire. Ah ah. Et ton nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Ton nom. Ton nom, toi qui parles. Je suis son père. Ah. Voyez mes amis, maintenant, nous parlons de la part du Père Céleste, celui qui a dit tout est accompli. J'ai 7 enfants, jamais aimé la parole. Moi, je ne sortirai pas de son corps, je suis au cimetière, elle viendra me rejoindre, parce qu'elle n'a pas obéi à ma parole. Elle va se marier. Voyez. Bon, qui croit que Jésus peut la libérer là? Ma soeur, tu le crois? Amen. Oh. Vous voyez, corbillard, l'esprit de mort, cimetière, vous avez vu, non? Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu révèle. Bon. Maintenant, tu te tais, on a compris. Et nous voulons maintenant élever notre Dieu. Nous voulons glorifier notre Seigneur. Parce que vous savez quoi? La différence entre nous. Ah ben c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Au nom de Yeshua. Alléluia. Qui veut que Dieu la guérisse? Qui veut que Dieu la délivre? Chrétien, qui a reçu l'autorité pour chasser les démons ici? Qui croit qu'il a reçu l'autorité? Allez, chassez cet esprit-là. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix.
Merci pour ton sang qui a coulé pour ma soeur. Merci pour ton sang qui a coulé. Nous brisons cette parole de malédiction. Nous brisons cette malédiction. Brisons la malédiction dans sa famille. Brisons-la au nom de Jésus de Nazareth. Après cela, fini. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà la puissance de Dieu. Voyez la puissance de Dieu. Regardez ça. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la gloire de Jésus de Nazareth. Vous avez la gloire de Dieu. Fini. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Je chanterai. L'évangile. Dieu parle avec précision. Il dévoile. C'est pas nous. C'est lui le maître. Quand je vois ça, je me dis comment mes amis, j'ai pu passer des années en dehors de ta présence. Comment je fais pour rester des années sans ta présence, hors de ta présence? Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Yeshua. 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 Il guérit. Il guérit. Il libère. Il libère. Il fortifie. Il brise des choses, des paroles de malédiction, de condamnation. Moi, je ne peux pas vous aider, mais Dieu peut vous aider. Jesus Christ. Voici votre délivrance, votre guérison divine au nom de Yeshua. Oh, fini. Fini. Tu veux baptiser? Oui? Par immersion? Oh. Donne-moi ta main. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce sur elle. Oh Jesus. Voici ton jour. Femme. Jesus. Oh, alléluia. La puissance de la résurrection. Touchez là où vous avez mal. Le Seigneur accorde la guérison divine. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu nous as libérés. Que la maladie s'en aille maintenant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. C'est une nouvelle personne que Dieu délivre. Ce démon provoquait la maladie. Oh, on acclame le Seigneur, c'est fini. Amène-la moi. Wow. Mais aujourd'hui, là, il se passe des choses. Hein? Wow. Regardez là où vous avez mal, là. C'est fini, c'est parti, là. La douleur est partie. Regardez, touchez. Il y a une boule qui a disparu au niveau de ton sein. Quelqu'un, regarde, la boule a disparu, là. La boule, là, que tu avais, là. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas t'en aller. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bien sûr que tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Assez. Bien sûr, tu vas sortir au nom de Jésus. Sors. Voilà. C'est fini, on acclame le Seigneur. Waouh. C'est magnifique. Ceux qui ont reçu une guérison, levez la main. Venez. Venez témoigner la gloire de Dieu. Oh, magnifique, magnifique. Le micro est où là? Magnifique Sylvain. Waouh. Ça va? Dieu, on peut se tutoyer, hein? Dieu t'a guéri là? Oui, je me sens mieux. Tu avais quoi? J'ai mal ici. Tu avais mal ici? Oui. T'as plus de douleur? Moyen. C'est parti là? Je demande une prière pour mon mari. Ok. Voilà. Pour votre famille. Vous fumez? Ça vous arrive de fumer? Vous fumez avant. Je vois beaucoup de fumée autour de vous là. Vous avez mal là. Regarde, bougez là. Hein, bougez. Bougez la main là. Le bras là. C'est bon? C'est bon? Oh Jesus. Jesus. Bougez. Qui a reçu une guérison là? Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oui? Viens. Venez vous qui avez reçu une guérison. Venez. Hmm? Gloire à Dieu. Sylvain, on va donner le micro. Il t'a guéri de quoi le Seigneur? J'avais, comme ce que tu avais dit tout à l'heure. Comment? Ben, j'avais, quand je marche deux fois, comme ça, j'ai une flèche, je reçois des douleurs dans le cœur. Et quand je suis allée encore chez ma fille, ben, c'est le là que j'ai failli, vraiment, j'ai failli mourir. Parce que cette douleur était tellement atroce dans le cœur. Et je me suis écroulée par terre. Et j'étais là, je dis, Seigneur, ne me tue pas là. Vraiment, c'était comme ce que tu as dit. C'était vraiment une crise cardiaque. C'était quelque chose qui allait me tuer. Ouais. Et dans ces temps-ci, en fait, je suis triste en moi. Et je me trouve parmi les morts. Tout à l'heure, même quand je suis arrivée, j'ai dit à la sœur Prisca, je dis, ben Prisca, écoute, si je meurs, je pense que comme j'ai beaucoup de petits-enfants, j'espère qu'ils vont, beaucoup vont pleurer pour moi. Quelque chose, je n'étais pas bien.
Donc là, tu n'as plus mal. Là, c'est là bon, je n'ai plus mal. Bah, c'est là, je bénis Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour. Mais moi, j'ai des douleurs au niveau de mon col de l'utérus. D'accord. Oui, puis après, je suis allé à l'hôpital voir mon médecin. Elle m'a dit, c'est rien. Mais aujourd'hui, quand je suis venue, j'étais assis. Et vous êtes rentrée, j'ai senti un mal. J'ai même dit à ma soeur que moi, j'ai mal au niveau de mon utérus. Bon, après, la douleur est passée. Et maintenant, je sens plus de douleur. Oui, ça va. Ah, ben, gloire à Dieu. Alléluia. Magnifique Seigneur, ça va? Alléluia. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis venue ici avec ma famille par accident parce que je n'étais pas prévu. C'est le pasteur qui m'a ramené. D'accord. Et c'est vrai, j'avais des grandes palpitations de cœur. Ça fait depuis presque un an que je suis suivie médicalement. D'accord. Voilà. Voilà, c'est réglé. Que Dieu soit béni. Amen. Bon courage. Alléluia. Waouh. Que Dieu soit béni. Waouh, Dieu est grand. Dieu est grand. Oui? Moi, je suis venu ici, j'ai demandé au Seigneur que je ne voulais pas rentrer. Est-ce que tout le monde entend? Non. Je suis venu ici, j'ai dit au Seigneur, je ne voulais pas rentrer tel que je suis venu. Je n'ai rien ressenti, mais je crois par la foi que le Seigneur m'a guéri. Il y a quelque chose qui est sorti. Je crois. Amen. Je crois par la foi. Tu es marié? Oui. Alléluia. Oui, je suis marié. Gloire à Dieu. Ton mari est là? Non, mon mari n'est pas avec moi. Okay. Il est converti? Non. Tu veux quoi? Qu'il se convertisse? Je veux qu'il se convertisse et qu'il revienne à moi. Parce qu'on n'est pas ensemble. Parce qu'on n'est pas ensemble. Non. C'est pour ça que je voyais que... Oui. Vous voulez que... Vous pensez que son mari peut... C'est réglé. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça va? Dieu est bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette main-là? C'est... Ouais. Ouais, ça va aller. Le Seigneur est là. J'ai mal, en fait. En fait, j'ai pris une position dans ma chambre, en pensant que j'avais juste des fourmis comme la main et que ça allait passer. Et ça fait deux semaines, papa? Deux? 15 jours que j'ai cette main qui... me fait mal parce que quand je prends des trucs, je peux pas. Ou quand je fais de l'exercice, je peux pas. Même en forçant, je peux plus tout faire comme avant, quoi. Et bah là, apparemment, j'étais en sous-traitement. Et là, il va voir si... Enfin, il m'avait prescrit des examens pour voir s'il allait trouver un truc parce qu'il hésitait, le médecin. D'accord. Donc, et là, tu as des douleurs, là? Et là, bah, là, ça s'arrête, ça s'en va, ça repart et... Ah bah, tu veux que ça parte définitivement? Je veux retrouver une main. Ah ben... Bah, vous pensez que le Seigneur peut guérir cette main? Eh ben, c'est réglé. C'est bon. C'est réglé, c'est bon, bon courage. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Ceux qui veulent le baptême, courez ici, venez. Avec tout ce que Dieu fait là, on ne peut que l'accepter. Hein. Courez, alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. Waouh. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnifique, magnifique, magnifique. Wonderful. Alléluia, oh alléluia. Oh, regardez-moi l'œuvre de Dieu. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique. Alléluia, oh Jesus, oh magnifique, oh magnifique. Acclamez le Seigneur. Jojo, prends mon portable là. Waouh, 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 le réveil à Bordeaux. Alléluia. Ma sacoche. Mon portable de la sacoche là. Oh, ça c'est des souvenirs terribles. Magnifique, wonderful. Jesus. Oh, Jesus. Jesus Christ.
Que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans ton corps au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est pour le baptême? Oh mon Dieu. Acclamons encore le Seigneur. C'est magnifique ça. C'est magnifique ça. C'est magnifique ça. C'est magnifique ça. La puissance de Dieu. Ma sacoche là. Jojo, Timothée, viens là, viens là. Regardez-moi ça, je bénis Dieu pour ce qui se passe ici là. C'est magnifique, magnifique. Ça, c'est un témoignage que je veux garder partout là. Voilà mes amis, c'est beau. Toutes ces âmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Nous sommes ici à Bordeaux. La puissance de Dieu. Au Père, ce sont les baptêmes que Dieu nous accorde au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Prions pour ces hommes et ces femmes. Prions pour que le feu de Dieu les remplisse, que la gloire de Dieu les remplisse au nom de Yeshua. Une âme qui se convertit au ciel et une grande joie, une grande fête. Vos noms sont écrits dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Le Seigneur vous guérit, le Seigneur vous soigne, le Seigneur vous libère, vous restaure. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un endroit pour aller baptiser aujourd'hui là. Sylvain, qui s'occupe de baptême ici là? Les gars, venez qu'on vous voit s'il vous plaît, courez ici là. Je vous donne la joie, je veux vous bénir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La France sera réveillée. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La France sera visitée, réveillée. Je bénis la France. Je bénis les Français. Au nom de Yeshua. Tu peux venir, Estelle, prier pour eux là. Voilà. La nation, là, Dieu, notre nation, Dieu la touche. Mon épouse va vous bénir là. Vous voulez qu'elle vous bénisse, non? Ah, elle va vous bénir au nom de Yeshua. Alléluia. Tikanga na yembela yo. Mobali kitoko. Tikanga na yembela yo. Mobali kitoko. Tikanga na yembela yo. Mobali kitoko Yesu nanga Mobali kitoko Tikanga na yembela yo. C'est un chant nouveau. Mobali kitoko Yeshua nanga Mobali kitoko. Seigneur, merci à toi pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ce pays. Merci à toi pour ces âmes que tu as touchées, ces cœurs que tu as libérés aujourd'hui. Sois béni encore pour ces personnes, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur, et qui ont accepté, Seigneur, les eaux du baptême. Sois béni encore pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur, pour ce témoignage qu'il va y avoir, Seigneur, auprès de leur famille, dans leur travail, Seigneur, et dans tout leur entourage. Sois béni, Seigneur, parce que je sais que tu vas opérer de grandes transformations dans leur vie, Seigneur. Sois béni parce que tu vas restaurer les familles, tu vas restaurer les cœurs, Seigneur. Tu vas restaurer cette ville, Seigneur, de Bordeaux. Merci à toi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les traces du passé, Seigneur, sont parties, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les traces, Seigneur, qu'a laissé l'histoire, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, sont parties, Seigneur. Tu as réuni ce peuple, Seigneur. Tu as réuni, Seigneur, toutes ces nations aujourd'hui, Seigneur, pour montrer qu'il n'y avait pas de séparation dans cette ville, Seigneur. Tu as réuni, Seigneur, toutes ces nations, toutes ces couleurs de peau, Seigneur, tous ces genres, Seigneur, pour montrer que toi, Seigneur, tu es un. Pour montrer que toi, tu as un peuple, Seigneur, en ce lieu. Sois béni encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Couvre-les, Seigneur, par ta main puissante, au nom puissant de Jésus. Tikanga. Merci mes frères, soyez bénis. Suivez les frères qui sont là pour le baptême. Suivez-les. Laisse-moi
te chanter. Jésus, mon amour, mon époux, c'est Jésus. Mon époux, c'est Jésus. Regardez-moi l'œuvre que. On va prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous êtes béni, 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 béni. Dieu a vu tes pleurs, ma soeur, au nom de Yeshua. Béni. En sortant d'ici, change ton histoire. Il me dit de te dire ça. Jesus. Regardez-moi tous ces baptêmes. Ouais. Ouais. Tout ça là. Oh, c'est magnifique. Hein? Il y a quoi? Une personne qui est saisie par terre là. Ah ben là, on est saisis tous là aujourd'hui. Là. Regardez-moi ça. Elle est saisie. Elle est saisie. Oh, elle est saisie. Oh. Ça va toi? Vous vous connaissez? Non. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Beaucoup chanter pour le Seigneur. Prépare-toi encore dans la prière, dans le jeûne. Regardez-moi ce démon là. Eh bien, décidément, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Lève-toi. Aujourd'hui, démon. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Aha. Aha. Voyez ça? Voyez comment le démon a peur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Regardez. Portez-la devant là-bas. Portez-la ici. Moi, je me dis que c'est fini. Je m'arrête là. Non. Le Seigneur me dit non, non, non. Je continue à guérir mon peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un réveil qui arrive dans votre famille. Là, je vous montre là. Des conversions. De gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique. Ah, alléluia. J'ai vu des conversions terribles, des chaînes brisées, des chaînes de l'incrédulité, de la mort, et le Seigneur apporte la guérison au nom de Yeshua. Oh, c'est réglé ça, c'est réglé. Le Seigneur vous a établi comme des sentinelles. Ah, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il vous aime beaucoup, ce qu'il me dit de vous dire. Alléluia. Vous aurez des grandes couronnes là-bas, là. Beaucoup de couronnes au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Oh. Ça va? Une grande maison, une grande maison. Je vois la signature là, une grande maison. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça va les gars? Tout va bien? Alléluia. Étudiant? Non? Oh, toi t'es marié? Marié, lève-toi. T'as des enfants? Ok. Tu sais que le Seigneur t'appelle à prêcher la parole de Dieu. Tu as beaucoup prêché la parole. Il y a un appel sur toi, des rouleaux que Dieu t'a donné. Tu vas annoncer la parole et je vois beaucoup de gens qui vont être éclairés, qui vont être touchés. Le Seigneur te connaît depuis le ventre de ta mère et t'a mis à part. Il y a une onction d'Élie qui est sur toi. Amène-le-moi là. Amène-le-moi. Il y a une onction terrible sur lui là. Jesus Christ. Acclame le Seigneur. C'est puissant. Oh, c'est puissant. Oh, c'est puissant. Il y a une onction prophétique sur lui. Voici la puissance de Dieu sur toi, jeune homme. Oh. Il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Dieu ouvre sa, délie sa langue. Il va commencer à prophétiser partout, 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 partout. Jesus Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je comprends pourquoi il m'a dit lève-toi à 3 heures du matin pour prier pour Bordeaux. Jésus, mon bien-aimé. Je t'aime, mon amour. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon amour. Je n'ai que toi, Jésus. Voyez ça. Oh, c'est fort, hein?
Comment ne pas t'aimer, Jésus, 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 Jésus. Tu vas annoncer la parole, tu vas enseigner mon peuple, dit le Seigneur. Tu vas enseigner beaucoup, 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 beaucoup au nom de Yeshua. Et Dieu fait de toi un père de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Même des enfants que tu n'auras pas, le Seigneur te fera, n'est-ce pas, t'établir comme un père pour les aider, pour les écouter, pour les soigner comme un médecin, comme un docteur au nom de Yeshua. Alléluia, les défendre comme un avocat au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, alléluia, la puissance de Dieu. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Quelque chose de grand arrive chez toi, dans ta famille, ma soeur. Quelque chose de fort. Le Seigneur dit qu'il enlève, il fait cesser carrément les pleurs, la souffrance, tout ça là de ta famille. Il a vu, il a entendu, il sait, il connaît ta situation au nom de Yeshua. Et c'est ton jour. Aujourd'hui, le Seigneur confirme qu'il sait, qu'il voit ses yeux sur toi, sur ta famille, au nom de Yeshua. C'est la réponse que tu attendais. Le Seigneur confirme qu'il te connaît au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Oh. Oh. Il y a quelqu'un ici qui veut le baptême et il doute. Lève-toi, ma soeur. Il y a une étoile qui est sur toi. Il y a un temps nouveau qui arrive sur toi. Il y a un temps de visitation qui arrive sur toi. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur te dit ce que ton cœur désire. Psaume 37, il te le donne afin que tu l'adores, afin que tu le serves, afin que tu le loues. Ce que tu lui as demandé, ce que tu demandes par rapport à toi, papa, ta famille également. Le Seigneur dit, tu sors d'ici, je te vois sortir avec des cadeaux, avec des paquets pour toi, pour ta famille. Je vois une pluie de cadeaux, des paquets de visitations, de la... Oh, Jesus Christ, alléluia. Oh, il y a une onction sur elle, là. La puissance de Dieu. Regardez-moi ça, là. Waouh. Dieu guérit les autistes aussi, hein. Il guérit. Ah, je vous dis. Il y a un enfant autiste que le Seigneur a guéri complètement, là. Oh, ça va toi? Il y a quelqu'un qui veut confesser le péché. Qui veut confesser le péché ici, là? Oh, qui veut confesser son péché? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri? Tu es baptisé? Par immersion ou catholique? Ici? You speak English? Oh, Jesus. Sors. Get out. Non, Jesus. Sors, démon. Sors, au nom de Yeshua. Sors, assis. Sors. C'est un démon qui est là depuis le ventre de sa mère. Ce démon a pris place dans son corps. Vous voyez ça? Regardez-moi ça. C'est un démon qui est là depuis le ventre de sa mère. Sors. Sors, au nom de Yeshua. Mais quand même, c'est terrible. Mes soeurs, vous qui chantez, vous avez aussi l'onction pour prier pour les gens. Hein? Est-ce que vous voulez bien laisser vos guitares là, la guitare, pour venir prier pour elles? Hein? Parce que vous avez aussi cet appel là. Alléluia. Oh, mais je sais parce que Dieu me le confirme. Il y a une onction sur vous là. Alléluia, pour chasser ce démon là. Au nom de Yeshua, il y a une onction prophétique sur vous là. Le Seigneur te dit, ma fille, je te connais. Tu es appelé aussi à prier pour les malades. Tu vas les voir guérir. Tu vas les voir libérer, être sauvé au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Vous pouvez chasser ce démon-là, mes amis. Alléluia. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on se laisse guider. Au nom de Yeshua, alléluia. C'est quoi? Un trouble autistique. Le trouble autistique est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens. Viens me voir. Son médecin ne va pas comprendre ce qui arrive à l'enfant là. Ça va être un médecin. Elle veut se marier. Vous pensez qu'elle peut se marier? Ben, ma femme va prier pour toi, pour le mariage. Tiens, ah. Celui-là pour le mariage. C'est bon, c'est réglé là. Genou là, ce genou droit. Quelqu'un ici, genou droit. Viens mon frère. Olivier, tu peux...
Alléluia. Faut prier pour lui. Alléluia, tous les deux, la gloire à Dieu. C'est réglé, vous allez prier pour lui. C'est bon, c'est réglé. Et toi aussi, là. Voilà. Evelyne, tout ça. Venez, venez l'équipe, là. Venez prier pour... s'il vous plaît. Venez prier pour... Les gens condamnés par la médecine, venez. Condamnés par la médecine. Sida, cancer, venez, venez. Oui. Toutes les personnes condamnées par la médecine, venez. L'équipe va prier pour vous, vous inquiétez pas. C'est le même esprit. Dieu guérit, venez. L'équipe, vous pouvez déjà commencer à prier pour les frères et sœurs. Votre foi envers le Seigneur va produire le miracle. D'accord? D'accord? Ah, voilà. Ok. Là. Okay. Peux prier pour cet enfant là, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Il y a une personne que le Seigneur a guéri ici du VIH. Quelqu'un qui souffre du VIH, que le Seigneur a guéri, sort de ce corps, quitte son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, Dieu t'a guéri. Au nom de Yeshua. Sois fortifié. Sois fortifié au nom de Yeshua, notre Sauveur. Sors! Sors de ce corps. Ce jeune homme servira le Seigneur au nom de Yeshua. Voilà. C'est guéri, c'est réglé. Sors! 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 Jesus. Ça va aller. Ceux qui veulent abandonner la cigarette, levez les mains. Venez avec vos paquets de cigarettes. Au nom de Jésus-Christ. Venez, vous qui voulez arrêter de fumer. Qui veut arrêter la sorcellerie? Qui ne veut plus servir le diable? Au nom de Yeshua. La cigarette, ton paquet, tu l'as, mon frère? Ah ben voilà, on acclame le Seigneur pour notre frère. Viens mon frère. L'ennemi voulait te tuer par un cancer. C'est avec ça là. Le Seigneur n'a pas permis parce que Dieu t'aime. Tu as une mission à accomplir là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux l'écraser là au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous chassons le démon de la nicotine. Au nom de Jésus. C'est fini. Voilà. Mon frère veut confesser. Qui veut arrêter avec le péché? Qui veut arrêter avec les petits copains, petites copines, tout ça là? Pour servir Jésus-Christ de Nazareth? Avec les pensées impures? Avec la masturbation, le péché? Qui veut abandonner tout ça? Le péché? Ceux qui veulent abandonner le péché, venez ici, il y en a beaucoup ici, venez. N'ayez pas honte, venez. Le péché vous amène à l'enfer, venez. Venez. Venez, mes amis. Jésus est bon. Le mensonge, la haine, la colère, l'impudicité, la masturbation, les films porno, les sites pornographiques, tout ça là. Il faut quitter ce monde de péché. Au nom de Jésus-Christ. Ça va aller. Ça va aller. Qui a? C'est quoi? On est avec deux petits fétiches ici, mesdames. Regardez-moi ça, écoutez. Venez, 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 regardez ce que Dieu fait ici. Vous avez vu cet homme là? Vous avez vu cet homme?
Mes amis, vous avez vu ce que Dieu fait? Dis à ton voisin, Jésus est là. Jésus est là. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis venu ici pour me faire confesser et baptiser et demander la guérison. Et tu es venu avec deux fétiches? Je suis venu avec deux fétiches. Ma femme, que j'ai mariée pendant 35 ans maintenant, avait un mari de nuit. La nuit de vendredi, le mari de nuit venait me trouver dans mon lit, il me gifle, il me tape, il me jette jusqu'à 6 mètres. Maintenant, moi j'ai été voir un vieil ami qui m'a donné un fétiche qui s'appelle le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Donc moi j'ai dit, garde ça, quand tu dors auprès de ta femme, tu le gardes. Quand son démon vient, s'il lève sa main sur toi, il va retourner d'où il vient. Quelque chose va le frapper qui est plus fort que lui. Donc le second fétiche, c'était pour empêcher le démon, je l'attachais pour l'empêcher de rentrer dans ma maison. Voilà. Tu es venu avec ces deux fétiches ici? Je suis rentré ici avec ces deux fétiches. C'était pour venir vous les donner, pour les détruire. Maintenant, ils sont où? Tu ne les trouves plus? Ils ne sont plus là. Ils ont disparu de la sacoche. Alléluia! 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 Wow! Attendez. Comment? Le retour à l'envoyeur, ce fétiche, a sauvé beaucoup d'enfants dans ma famille. Parce que toute personne qui pratiquait la sorcellerie et puis tu veux faire du mal à l'âme d'un enfant, ce mal retournait à celui qui l'a émis tout de suite. Oui, mais ça fonctionne comme ça, mais ça ne protège pas. À un moment donné, ça tue. Voilà. Maintenant, tu le retrouves plus. Après, ce truc-là, il commençait à m'attaquer moi-même. Voilà. Hier soir seulement, dans mon sommeil, j'ai rêvé, je me suis retrouvé en face de Shura. Maintenant, il y a quelque chose qui est venu me mettre un pilon sur ma tête. Il disait quelque chose, je n'ai pas voulu l'entendre, mais je vais te casser ta tête. J'ai dit, au nom de Jésus, tu ne pourras pas casser ma tête. Ce que tu es là, demain, je vais t'amener chez Shura. Je vais te le donner, il va te détruire. Et là, ils ont disparu, ils sont partis. Jésus de Nazareth, mes amis. On va prendre son témoignage, Jojo, avec mon portable. Là. Il est où mon portable? Ça, c'est des témoignages à diffuser. Parce que Jésus opère. On prie d'abord pour les pécheurs, pour les gens qui ont péché, mon frère. Mets-toi là. Tes fétiches, comme ils ont disparu. Là. Tu vas voir toi-même. Oh, Jesus Christ. Levez vos mains. Oh, je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Seigneur, nous brisons la puissance du péché dans la vie de mes frères et sœurs au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que la puissance du péché s'en aille de ce corps au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu sors de ce corps maintenant, démon. Tu sors de ce corps, je dis au nom de Yeshua. Allez, sors de là. Au nom de Yeshua. Fini, tu sors de là. Sors de là, sors de là, sors de là. Allez, tu sors de là. Allez, vous sortez, démon, tu sors. Allez, démon, tu sors. Allez, tu sors, voilà. Sors de là, démon. Sors de là, démon. Le péché qui te pollue la vie. Allez, tu sors de là. Quitte mon frère, quitte mon frère, quitte mon frère, quitte mon frère, quitte mon frère. Quitte ce corps. Assis. Mami Wata. Vous avez vu Mami Wata là? Regardez-moi, Mami Wata. Vous avez vu ça? Oh, je vais m'occuper d'elle là. Seigneur, au nom de Yeshua, que mon frère soit libéré. Allez, sors de là. Allez, sors, démon. Allez, sors. Sors de là. Il y a un démon ici qui va partir là. Allez, sors. Quitte ce corps. Sors. Démon. Acclame le Seigneur. Allez, sors. Chassez-le. Chassez-le. Sors. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors. Là, ça sort là. Là, allez, sors, démon. Voilà, sors de là, démon. Il y a des démons ici, là. Là, au nom de Yeshua. Jesus, sors, quitte ce dos. Ah, yeah, ça sort. Ah, ça sort, là, quelque chose qui sort, là, qui remonte, là. Ça sort, là, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, quelque chose qui sort. Il y a des choses qui sortent, là. Là, au nom de Yeshua. C'est fini, c'est réglé, là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur sauveur. Là, ça sort. Là, sors, allez, sors, démon.
Démon. Là, c'est le démon de séduction, là, là, là. Sors de ce jeune homme. Quitte. Quitte ce corps. Sors de là, mon Jésus. Allez, sors de là. Quitte son ventre. Allez, sors. Allez, remonte. Allez, remonte. Chassez-le. À part les deux, là, vous autres, vous pouvez vous asseoir là-bas. Allez vous asseoir maintenant. Oh, toi, viens, viens. Jesus Christ. Sors, sors. Allez, quitte-la, quitte-la. Voilà. Jesus Christ. Voyez-moi. Regardez la sirène, là. Vous avez vu ça? Tu vas lâcher, ma soeur. Voilà. Oh, Jesus. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ce serpent là. Regardez-moi ce serpent. Oh Jesus Christ. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Moi je croyais finir. Mais Dieu me dit maintenant. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Sirène. Mami Wata. Le zoo. Esprit de zoo. Esprit de séduction. Esprit de sexe. Qui essaye de lier quelqu'un ici, mais il n'arrive pas. Au nom de Yeshua. Voyez, oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. La puissance de Dieu. Qui réalise que Dieu est vraiment bon? Sylvain, tu te rends compte? Mais qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Tu dis quoi? Tu dis quoi, Néman? J'ai gagné. Parce que. Je l'ai retirée d'ici. Oh, oui. Elle est à moi, je la contrôle. Oui. Moi. Elle était à toi. Mais à partir d'aujourd'hui, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Elle-même, elle s'est levée pour confesser le péché dans lequel tu l'as plongé. Tu as vu? 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 Elle est chante parce que j'arrive pas à m'asseoir dans son cœur. Elle ne devait pas venir ici. Elle ne m'écoute pas. J'ai envie de la tuer. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Parce que. J'ai pas envie de parler, mais il m'empêche de. Il veut que je parle là, il m'énerve là. Jésus, Jésus, tout le temps Jésus. Elle m'énerve avec Jésus là. Mais je suis obligée de parler quand même. Oh. Ah. Jésus! 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 Jésus, le roi de rois, le Dieu des Français, celui qui gère la France, le Dieu des Européens, des îles, de l'Asie, de l'Afrique, celui qui a vaincu, son nom, oh son nom, à genoux démon, à genoux démon, à genoux démon, à genoux démon. À genoux démon, à genoux démon, démon. Je suis obligée de parler, sinon je ne peux pas partir. Mais de toute façon, je vais tuer son frère. Jamais. Je vais tuer son frère. Jamais. André. Jamais. Mélanie. Jamais. Diana. Jamais. Je vais les tous. Au nom de Jésus. Sherida. Jamais. Elle est chante. Jamais. Oui, j'ai envie de la tuer. Elle est à moi. Elle est ma femme. En même temps, on est trois, hein? Tu savais pas. Hein? Tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Mais il sait rien parce que là, on est trois. Mais. Oh, Dieu sait toutes choses. Bien sûr que Dieu sait toutes choses. Dieu l'aime. Parce que moi, j'ai essayé de m'asseoir dans son cœur. Je voulais la tuer, mais j'arrivais pas. J'ai serré, mais j'arrivais pas. Parce que au moins, elle avait quelque chose. Elle disait Jésus dans son cœur.
à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Allez, maintenant tu sors. Allez, maintenant tu sors. Allez, tu sors. Voilà. Vous savez, quand Dieu me pousse à mettre la main comme ça, c'est l'autorité paternelle. À genoux. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Eh. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh, amen. Oh, alléluia. Eh. Laisse-moi t'adorer. Amen. Laisse-moi te louer. Amen. Laisse-moi te chanter. Amen. Alléluia. Amen. Jésus mon roi. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus mon bien-aimé. Amen. Jésus l'a affranchi. Amen. Oh. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh. Amen. Mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus, je t'aime. Je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia. Amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia. Amen. Jesus. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Oh, la joie de Dieu. Dieu te remplit de sa joie, ma soeur. Il y a une onction de joie. La gloire de Dieu va t'accompagner et bénir ta famille. Tu vas beaucoup prier comme une sentinelle, une intercesseuse. Jesus. Tu vas servir le Seigneur de plus en plus dans la prière et la guérison. Au nom de Yeshua. Oh. Dieu te donne encore un enfant, ma soeur, toi. Oh, Dieu te bénit, fais de toi une mère. Tu seras une mère joyeuse. Oh oui. Oh oui. Ah, magnifique. Et qui nous dit que la France est un pays compliqué, difficile? Qui vous a dit ça? Vous avez vu vous-même ce que Dieu fait? C'est encourageant. Ça m'a montré un ange avec une grande nuée. Et il la pousse. Il la pousse vers la France. Et elle prend du volume. Elle s'agrandit. Et il y a une pluie qui se commence à tomber. Et je vois dans les maisons ici et là des chrétiens qui ouvrent les yeux, qui commencent à quitter le péché, à quitter Babylone. Qui commencent à prier dans des petits groupes ici et là. Dans les collèges, les lycées, je vois des jeunes qui partagent la parole. Je vois le feu du réveil. Oh, alléluia. Mon Dieu. Des chrétiens qui sont enlevés au ciel, qui voient des choses célestes et qui descendent pour aller avertir. Il y a un appel sur ta vie, mon frère. Un appel, la mission. La mission
pour annoncer l'évangile, évangéliser, témoigner la grâce de Dieu avec des jeunes autour de toi. Au nom de Yeshua et de vie transformée. Le Seigneur te dit, tu es comme David dans son royaume. L'homme selon son cœur, le Seigneur voit combien tu l'aimes, combien tu le cherches. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi. Je réponds à ta prière. Le Seigneur te dit, des murs d'incrédulité dans ta famille seront abattus, vont tomber. Et des conversions, des gens pour lesquels tu pries, le Seigneur va les visiter, les soigner, les guérir. C'est lui qui t'a attiré ici. Le Seigneur te dit, avec la princesse, la femme qu'il met à tes côtés, le Seigneur te dit, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Avec cette femme, marcher, gravir des montagnes, tout ça pour annoncer l'évangile avec un bâton comme Moïse, comme un berger. Et je vois un troupeau, je te vois donner du lait, donner de la nourriture, donner du pain à ces hommes et ces femmes. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, mon enfant. Et tu verras des guérisons que tu n'as jamais expérimentées s'opérer au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et vous allez beaucoup voyager aussi, beaucoup voyager dans toute l'Europe, tout ça, États-Unis, Canada, tout ça, beaucoup voyager en Australie pour la mission. Et je te vois crier comme un chauffard, crier le retour de Yeshua. Soyez bénis au nom de Yeshua. Que toutes les malédictions contre vous tombent au nom de Yeshua. Soyez fortifiés. On a fini. Alléluia. Wow. Sois fortifié, mon frère. Sois béni. Que mon Dieu t'accompagne. Qu'il se serve de toi au nom de Yeshua. Qui a pris l'avion pour venir ici? Qui a pris l'avion? Oh, tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup. Tu sais comment il t'appelle le Père? Il t'appelle ma princesse. C'est comme ça qu'Adonai t'appelle. Et je vois le Seigneur te regarder comme ça avec un sourire. Et te dit, quand tu te regardes dans une glace, dis-toi que tu es la princesse de Yeshua. Et son regard a toujours été sur toi pour te garder, te protéger. Il me dit, dis-lui que je la connais. Dis-lui que je marcherai à ses côtés. Et je vois des enfants, beaucoup d'enfants qui seront autour de vous. Et une grande famille, et une grande maison, un grand jardin, un endroit où je vois un piano, tout ça. Et les gens vont venir, vous allez jouer, tout ça, jouer et chanter, adorer le Seigneur. Au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur, alléluia. Dieu me dit encore de te dire qu'il est ton Père. C'est lui ton Père, alléluia. Merci. Oh, vous êtes encouragé? Merci. C'est réglé. Ça va? Tu veux quoi? J'ai tout le temps peur. T'as tout le temps peur? Une douleur du ventre. Oh, alléluia. Ah! Bénis mon frère, souviens-toi de lui. Merci. Bénis-le. Donne-lui ce caractère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus. Oh. Tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, venez ici. Parmi l'équipe, là, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, venez. Je vais finir par vous. Venez, levez simplement vos mains ici. Il y a une huile fraîche. Cette onction que Dieu a mise sur nos vies, je veux prier pour qu'il vous l'accorde, qu'il vous accorde des portions de sa grâce, parce que ce réveil doit s'allumer partout. Que les femmes qui sont appelées à prophétiser, à exhorter, que le feu de Dieu vous accompagne. Je veux vous bénir. J'ai été reçu comme un envoyé de Dieu. Et mon père m'a dit dans la Bible, si l'on me reçoit, que la grâce, que la paix qui m'a été accordée soit communiquée à ces hommes et ces femmes.
et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Je prie que Dieu bénisse vos services. Vos services. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, un couple ici. Dieu vous a dit d'ouvrir votre maison pour la prière. Mon fils, ma fille, le père dit, mon fils, ma fille, c'est moi qui vous ai parlé. Car j'ai des couples en souffrance, qui viendront vous voir. Je sais que vous avez été beaucoup blessés, beaucoup déçus. Mais l'ordre vient du trône du Père. Cette maison que Dieu vous a donnée est une maison de prière. Oh, Jesus Christ. Il y en a quelques-uns qui sont concernés. Je vois des maisons qui étaient fermées qui s'ouvrent. Je vois des hommes qui reçoivent des clés. Des femmes qui reçoivent des clés. Jesus. Et une onction sur vous. Ce sera des maisons de guérison. Des couples seront guéris, seront restaurés au nom de Yeshua. Oh! Et une onction de guérison sur votre couple, votre famille. Les guérisons seront opérées. Dieu vous enverra des gens malades, de cancer, de sida, des gens de la dépression. Vous allez prier pour eux, vous allez voir des guérisons s'opérer au nom de Yeshua. La mission pour laquelle le Seigneur vous a sauvé n'est pas encore achevée. Il me dit de vous dire qu'il vous donne la santé, la force pour pouvoir exercer ce travail-là au nom de Yeshua. Il enlève toutes les flèches de condamnation, de malédiction, toutes les paroles des hommes, toutes les malédictions de la part des faux serviteurs, des faux croyants. Le Seigneur dit, je brise ces paroles, je brise ces paroles. Mes enfants, je vous aime. C'est moi qui vous ai attiré ici. Mon fils, comme Jérémie, tu es comme Jérémie. Tu vas annoncer ma parole, tu vas annoncer ma parole. Annoncer ma parole, une onction fraîche. Oh, il y a une belle onction sur eux. Jesus Christ, alléluia. Jesus Christ. Dieu se servira de vous. Je bénis vos couples. Je bénis vos enfants. Je bénis vos projets. Mettez le feu, Freddy Angoulême, avec Marie là-bas, avec les frères et sœurs. Mettez le feu partout, à La Rochelle. Le prochain programme de réveil, Dieu permettra de soi à La Rochelle. Il y a un vent qui arrive là-bas. Préparez ça ensemble. Plus de division, tous ensemble. Main dans la main. Nous voulons que Satan recule. Au nom de Français, Antillais, Africains, Asiatiques, Maghrébins, tous ensemble, métis, main dans la main. Car il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tous ensemble. Main dans la main, jeune, moins jeune. Alléluia. Oh, tenons-nous par la main, prions ensemble. Au nom de Yeshua, Père, merci. Merci, Papa. Oh, merci. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Gloire à Dieu. Bon voilà, nous on, voilà, nous sommes des frères et sœurs de corps, de 46 000. Et nous voulons rendre gloire à Dieu parce que Dieu a vraiment agi dans notre petite commune en tout cas. Voilà, il y a une sœur en fait qui a téléphoné à ma femme pour lui demander de lui couper ses cheveux. Et puis, donc elle est venue à la maison. Et donc... En venant, bon, on a discuté, on a partagé un petit peu. Et puis bon, elle lui a coupé les cheveux, etc. Et puis, bon, la sœur, à un moment donné, elle disait qu'elle avait quelque chose. Et en fait, elle voulait qu'on prie pour elle. Elle a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ou je crois que c'est ma femme qui a demandé. Elle a dit, ok, on va prier. Et donc, on s'est mis à prier, bon, dans le salon, quoi. Donc, on a dit aux enfants, bon, allez jouer. On a commencé à prier. Et ce que vous avez vu, là, aujourd'hui, là, ça s'est passé chez nous. Dans notre propre maison, pour dire que les démons se manifestent partout. Et quand vous êtes, quand vous avez l'onction de Jésus, là, vous n'avez pas besoin d'avoir un lieu spécifique. Et c'est vraiment Dieu. Les démons sont manifestés
dans le corps de ma sœur. Et on a opéré pendant 5 heures de délivrance. Pendant 5 heures, on a intercédé au nom de Jésus, on a intercédé au nom de Jésus. Elle a vomi, elle a vomi, elle a vomi, elle a encore vomi, elle a vomi. Les démons étaient là, ils tournaient, ils viraient, ils ne voulaient pas sortir. On a intercédé dans la puissance du nom de Jésus. Et bon, au bout de la journée, il y a quelques démons qui sont sortis. Et au bout de 5 heures, on s'est dit, bon, on va arrêter parce qu'il était quand même 9 heures du soir. Et on lui a dit, ben, tu n'auras qu'à revenir demain et on verra. Donc le lendemain, elle est revenue vers 2h30. Entre-temps, bon, elle priait dans son cœur, tout le monde priait dans son cœur, et Dieu lui avait parlé. Et donc, elle lui a dit, ce sera plus court. Mais bon, on a quand même mis 4 heures. Donc, on a partagé, on a lu la parole, et puis on s'est mis donc à prier. Et aussitôt, les démons se sont remanifestés. En fait, elle était possédée d'un esprit humain avec d'autres démons. Et on a encore intercédé, on a prié, on a loué Dieu, elle a encore vomi. J'ai jamais vu autant de choses sortir de quelqu'un comme ça, quoi. C'était vraiment, enfin voilà, il fallait être là pour le voir, vraiment, c'était horrible. Et puis, Dieu se manifestait, on sentait la gloire de Dieu. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, on était quand même un peu fatigué, un peu épuisé, quoi. Et là, Dieu lui-même est sorti de son trône. Il est venu dans le corps de ma sœur pour se manifester au nom d'Yoshua, je vous dis. Il est venu, il a libéré, c'est lui qui l'a fait. Il a chassé tous les démons. L'esprit humain, il ne voulait pas sortir, les démons ne voulaient pas sortir. Et il les a sortis de son corps au nom d'Yoshua. Et je vous dis, je l'ai vu, je l'ai vécu, nous l'avons vécu. On est là pour témoigner. Regardez, aujourd'hui elle est là. Que Dieu se manifeste, que Dieu se glorifie parce que la gloire est à lui. Et nous sommes rien, nous sommes que de la poussière. Je vous le dis, vous pouvez être aussi grand, aussi ce que vous voulez. Nous sommes que de la poussière. Et si Dieu n'est pas dans notre vie, nous sommes que dalle, rien du tout. Et il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui tourne. Et je vous dis que Jésus, Yeshua, il n'est plus à la porte. Il a passé la porte et il est là. Il va venir bientôt, bientôt, très bientôt. On a reçu des choses, bon voilà, mais franchement, il n'est vraiment pas très loin. Il n'est vraiment pas loin. Que Dieu se glorifie, que Dieu soit élevé au nom de Jésus. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour la puissance de sa guérison. Je suis venu avec quelques problèmes de santé. Et le frère qui a exercé son ministère a eu une parole de connaissance en disant qu'il y avait quelqu'un qui avait mal à un genou droit. Et je me suis approché, je crois que je l'ai reçu. Et je vais le voir s'accomplir. Je veux remercier Dieu aussi pour son plan d'amour, de libération, de conversion, pour sa victoire totale qu'il y a dans notre pays, la France. Et je bénis Dieu pour les ministères qu'il a fait lever, et gloire à son nom. Alléluia, que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, dans ce pays, en Europe. Que son nom soit loué et béni. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage, en fait, c'est pour glorifier le Seigneur vraiment. Parce que ces temps-ci, je vais dire, pendant une courte période de ma vie, en fait, j'étais beaucoup combattu par la colère. Une fois que j'étais en colère, franchement, personne n'arrivait à me maîtriser. Parfois, je faisais des mauvaises choses qui ne me faisaient pas avancer dans ma vie. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce qu'il y avait un moment, j'ai eu un problème avec une personne. Et à ce moment-là, vraiment, je pétais les plombs, on va dire ça comme ça. Mais lorsque j'ai vu vraiment que j'avais pas la force, j'ai dit au Seigneur vraiment de m'aider parce que je pouvais pas. Et le Seigneur est tellement bon, c'est que le Seigneur a envoyé une sœur en fait. Et la sœur est venue me parler, m'a proposé par rapport à ce jour qui allait se passer en fait. Mais dans ma tête, si j'étais pas vraiment convaincu, je me disais, est-ce que vraiment c'était le Seigneur qui voulait? Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'en fait, il m'a montré par un songe de venir en fait, qu'il veut que je vienne là parce qu'il a des choses à faire par rapport à ma vie. Et à ce moment-là, quand je suis venu, j'ai vraiment vu que le Seigneur était au contrôle de tout. Et à un moment, j'étais assis, la sœur est venue auprès de moi et m'a dit, Israël, il faut que tu viennes pour qu'on puisse prier pour toi, pour la colère.
Et le truc, c'est que dans mon cœur, je recevais aussi du Seigneur d'aller pour qu'on prie pour moi par rapport à la colère. Et à ce moment-là, je voulais vraiment pas aller. Mais je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui donne le courage et la force d'aller le faire. Même si on sait que parfois il y a des choses difficiles qu'on n'arrive pas de nous-mêmes à faire. Mais comme dit la parole de Dieu, que toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça encore, mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager. Ne regarde pas les autres parce que c'est pas par rapport aux autres que tu avances. Mais tu avances par rapport à Jésus-Christ qui est Seigneur des Seigneurs, qui est roi des rois. Et je veux dire que dans la vie d'une personne, le Seigneur est capable de se glorifier. Le Seigneur est capable de faire des choses qui sont incomparables. Et tant que tu as compris que le Dieu que tu sers s'appelle Jésus et c'est le Dieu Tout-Puissant, je pense que tu ne vas pas laisser les situations, je pense que tu ne vas pas laisser les moments de ta vie te troubler par rapport à ton Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de la colère. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner, parce que c'est quelque chose de bon et de glorieux de dire que Jésus-Christ a fait quelque chose dans nos vies. C'est pour ça que comme je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, vraiment fais confiance au Seigneur. Ne regarde pas parce que les gens ne te regardent pas. Les gens ne t'écoutent pas. Mais comme je dis, que celui qui a l'esprit écoute ce que l'esprit dit à l'esprit, en fait. Et si vraiment on est de Dieu, la parole de Dieu nous a dit que celui qui est de Dieu écoute ce qui est de Dieu. C'est pour ça que c'est pour te fortifier, t'encourager et te dire d'avancer dans ta marche avec le Seigneur. Qu'importe les combats, qu'importe les moments difficiles, qu'importe les choses qui peuvent t'arriver. Mais ton Dieu règne et règnera jusqu'à la fin. Soyez bénis. Voilà, je vis à côté de la frontière espagnole et je voudrais remercier le Seigneur parce que ces deux derniers jours, il a vraiment mis sa main sur moi. Je suis partie de chez moi, j'avais pas d'argent, j'avais rien, mais je savais qu'il fallait que je vienne. Je me suis perdue il y a environ 2 ans, mais quand on a connu le Seigneur, c'est pas possible de vivre sans lui. Alors j'ai dit, Seigneur, même si j'ai pas d'argent, même si je sais pas où je vais, parce que je connais pas du tout la région, j'y vais, toi tu sais. Donc je suis arrivée hier, moi j'ai prié Dieu qui m'amène jusqu'à Bordeaux. Le Seigneur a fait qu'il y a un monsieur qui m'a pris un stop et qui m'a déposé ici à Lormont. Ensuite, hier soir ici, il y avait une soirée zouk. Donc quand je suis arrivée, il y avait des gens qui étaient sous et tout. Moi, j'ai voulu aller dormir derrière dans le parc. Et il y a un monsieur qui est venu, il a vomi juste à côté de moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas dormir là. Du coup, je suis partie un peu plus loin. Le Seigneur, il a mis à cœur à un homme de me payer une chambre d'hôtel. Il était avec sa femme. Et j'ai pu arriver ici ce matin, donc... Je remercie Dieu et soyez fortifiés, vous inquiétez pas. Quand on a vraiment connu Dieu, si on l'a vraiment connu, on peut pas vraiment se perdre à jamais, c'est pas possible. Parce que c'est trop fort dans le cœur, c'est trop fort. Merci.